quiconque notre nouvelle Miss All-Star Californie 1997 ne peut remplir ses devoirs, ce sera la première dauphine qui reviendra le titre. Mesdames et messieurs, notre première dauphine est Brandi Peterson. Laissez-moi maintenant vous présenter notre nouvelle Miss All-Star Californie 1997, Danielle Stevens. Your beauty is majesty. Take a bow, a star for eternity. Lights are shining in your eyes. Crowd is cheering, it's reply. On top of tu n'as pas encore fini de te maquiller. Ce sera plus très long. D'accord, mais si tu continues, nous serons en retard. Je t'aide, tu veux? Oui, et comme rouge à lèvres, lequel? Oh, moi je mettrais le rose. Le là. Rose? Il est superbe sur toi. Allez, dépêche-toi, chérie. Ouais, je viens tout de suite. Today is not an ordinary day. Diriger un restaurant et avec la nourriture laissée par les clients, avoir les moyens de mettre au point un programme pour nourrir les sans-abri. Avoir les moyens de mettre au point un programme. Et travailler pour les Jeux para-olympiques. Parce que je crois pouvoir faire évoluer les choses en mettant un peu de gaieté et de lumière dans la vie de ces gens qui ont moins de chance que moi. Et mon désir serait de mettre mes pas dans ceux de mes parents et de devenir missionnaire pour offrir mon aide à ceux qui habitent au cœur des terres déshéritées de ce monde. Diriger un restaurant et grâce à la nourriture laissée par les clients, avoir les moyens de mettre au point un programme pour nourrir les sans-abri. N'aurait pas pu être pire. Ne dis pas ce genre de choses, c'est idiot. Tu veux me remonter le moral, mais c'est ça? Oh non, pas du tout. Disons que ça donnait l'impression d'être trop récité. Tu sais, chérie, tu dois croire à ce que tu dis. Sinon, comment veux-tu que les autres y croient? Bon, c'est pas grave. C'est prêt. C'est la quatrième fois d'affilée que j'arrive derrière Shona. Ouais. Tu le sais. Je commence à penser que le mauvais sort s'acharne sur moi. Nous n'avons pas encore réussi à la cerner, c'est tout. Mais nous y parviendrons, nous découvrirons son point faible. Crois-moi, hein? Oh, merci, Becky. Ça a l'air délicieux, ça. Je sais bien que ça ne te consolera pas, mais Shona ne peut pas se présenter comme Miss Madison. C'est ton comté, alors ne te fais pas de soucis. Tu vas avoir la chance de décrocher ce titre. Tu dois retrouver ta confiance, mais... Écoute-moi, je me souviens. On me sentait exactement comme toi, mais même si c'est difficile, il faut savoir perdre avant de gagner sa place dans la lumière. Ma mère n'était pas une femme comme moi. Hein, pour me donner la force de scintiller comme une étoile qui embraserait le ciel. Le sourire, je t'en prie, arrête. Mais souris. Quoi? Alors ça, c'est parfait. Oh, quel goût douteux de débarquer ici avec sa couronne. Ne la laisse pas t'agacer. C'est plus fort que moi. C'est vrai, regarde-la, elle a une nouvelle robe, une nouvelle voiture et je te parie qu'elle s'est trouvée un nouveau manager. Et alors, ça ne la rend pas meilleure que toi? Hey, regarde-moi. Toi et moi, nous avons toujours formé une bonne équipe et c'est ça qui compte. Considère ça comme une leçon de la vie. Une simple leçon. Qu'est-ce que tu veux que je porte? Je pensais à ta superbe robe bleue et je me disais... Oh! Oh!
Maman, c'est la voiture de Shauna. Oups. Bonjour. Ah, Daniel. Ça va? Tu viens t'inscrire au concours? Oui, oui, c'est ça. Oh, c'est génial. J'avoue que j'espérais ta venue et je pensais que quand elle tu aurais fini... Elle est en retard, allez, dépêche-toi. Viens, viens. Bon, ben, bonne chance. Merci. Maman, tu as été très désagréable. Oh, il garde des voitures. Chérie, nous venons ici pour rencontrer les sponsors. Mais je veux que tu entres dans le salon comme si ce club t'appartenait. La tête droite, le regard tranquille, la démarche altière. Maman, je connais ça par cœur. Et tu souris. Un sourire délicat, mes ravageurs. Et tu salues tout le monde. Mais tu es superbe. Vas-y. Tu le penses vraiment? Surtout, n'oublie pas, Miss Madison, ce sera toi, chérie. Je cours m'inscrire. D'accord. Et mets les KO. Bonjour, je suis Danielle Stevens. Oh. Enchantée, Daniel. Chanté. Carla Mathewson, c'est moi qui coordonne le concours. Salut, oh, elle est ravissante. Oh, venez par ici. Vous allez signer le dossier d'inscription. Je vous donnerai votre badge. Carla, pardonnez mon retard. Vous êtes pardonnée. Je suis Riley Baxter. C'est l'un de nos sponsors. Enchantée, Daniel Stevens. Ravie de vous connaître. C'est une joie. Oh, Riley, Donnerley voulait vous parler à l'instant où vous entreriez ici. Si vous voulez m'excuser. C'est ton premier concours? Ça se voit tant que ça. On sait rien. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Mais parce que tu veux sûrement devenir quelqu'un de reconnu qui pourra aider notre belle jeunesse de demain à trouver le chemin d'un monde meilleur. Toi, tu connais ça par cœur. Oui. Est-ce que je peux te donner un conseil? Tu devrais poser ces petits fours, ça nuirait si on te voit grignoter. Discrètement. Bonjour, Shauna. Salut, toi. Tu as l'air en pleine forme. Toujours aussi élégant. Merci, toi aussi. J'avoue que j'espérais te voir en venant ici. Pourtant, c'est toi qui as dit que tout était fini entre nous. Mais rien ne s'oppose à notre amitié. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est une excellente question, maman. Tu étais pourtant sûre qu'elle ne serait pas là. Je ne comprends rien. Je croyais qu'elle était du comté de Bedford. La seule raison qui l'a fait concourir comme Miss Madison, c'est qu'elle est certaine de me battre. Là, tu fais son jeu, tu es en train de réagir exactement comme elle le veut. Si tu la laisses te désarçonner, autant tirer un trait sur ce concours avant qu'il ait commencé, d'accord? D'accord. Alors calme-toi, calme-toi et compte sur moi pour savoir ce qui se trame dans le coin. Arrête une seconde. Amy, ça va? C'est rien. Allez, lève-toi. Merci d'avoir été si gentille avec moi. Tu es vraiment la seule. C'est bon, les filles, on fait une pause. C'est bien mieux, mais il y a encore pas mal de travail. Mesdemoiselles, personne n'est là pour vous juger pendant des exercices. Alors essayez de vous en souvenir et travaillez au mieux. Daniel? Ah! Vous êtes très douée. Vous trouvez? Oui. Comment vous le savez? Ah, mais je vous ai vu répéter. Vous étiez là? Ouais, vous dégagez une force particulière. Vous avez tout d'une gagnante. Vous avez fait ce genre de numéro à Shauna? Ah. Blessé en plein cœur. Alors comme ça, vous saviez. C'est fou ce qu'on bavarde entre candidates. Et que savez-vous d'autre? Que c'est elle qui a rompu. Et vous y croyez? Pourquoi j'ai tort? De qui parlions-nous déjà? Quoi? De qui? Quoi? Pardon? Daniel, je ne voulais pas vous interrompre, mais Carla aimerait te voir. Ah. Bonjour. Bah, tu ne me présentes pas. Moi, c'est Riley Baxter. Ah. Bonjour. Et moi, c'est Cathy Stevens, sa mère, cette charmante demoiselle. Ah, je suis charmée, Madame Stevens. Appelez-moi Cathy. Ah. Bon, eh bien, écoute, elle doit se reposer. Ce soir, c'est le grand soir. On doit vous abandonner. Allez, c'est viens, normal. Chérie. Allez, allez, viens. Oh, Riley! Oh, Carla, vous avez le don de me faire sursauter. Oh, je suis désolée, je trouve très élégant, comme toujours. Bon, au revoir.
Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Qu'est-ce qui se passe, Shona? Tu as peur de ne pas gagner dans ton comté? Ah, pourquoi prendre des risques là-bas? Ici, c'est si facile. Ils se rendront compte assez vite que tu viens du comté de Bedford. Ceci ne te concerne pas du tout, mais ma mère vit à Bedford et mon père, lui, vit ici. Il paraît que tu as jeté ton dévolu sur Riley Baxter. Et alors? Alors, tu peux foncer. Foncer? Pourquoi? À Riley, tu n'as rien d'autre à attendre de ma part. Cette couronne est à moi, ainsi que le titre de Miss All-Star California. Je dois reconnaître que c'est la seule chose que j'apprécie chez toi. Tu es si prévisible. Remettre de ses émotions, elle a eu un grand courage et passons sans attendre à nos autres. Regarde l'effet que ça fait. Shona Langley. Une scène de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, fais-moi simplement vœu d'amour et je ne serai plus une Capulet. Shona est actuellement bénévole à la maison de retraite Francis. Elle passe des heures à faire le courrier des personnes âgées qui souffrent d'arthrite invalidante. Danielle Stevens? Danielle adore offrir de son temps aux enfants déshérités en leur enseignant la danse. Elle dit qu'il ne s'agit pas seulement d'un merveilleux exercice, mais que c'est aussi un fantastique moyen d'expression. Deidra Léville. Elle se sent capable de pouvoir influencer notre communauté. Mesdames et messieurs, la seconde dauphine pour le titre de Miss Madison est... Deidra Levy. Et notre première dauphine est... Danielle Stevens. Le titre de Miss Madison revient à Shona Langley. Shona, le plateau est à vous. Merci, c'est très aimable. Merci beaucoup. Merci, merci à vous tous. Tout d'abord, je tiens à remercier nos sponsors pour avoir rendu ce rêve possible. Ensuite, je désirerais remercier tout particulièrement le jury. Ce n'est rien, chérie, ce n'est rien. Je voudrais aussi saluer les autres participants du concours. J'imagine que la tâche du jury a souvent été très difficile. Alors, le festival de la fraise est proche. J'ai parlé aux responsables et ils comptent sur notre présence. C'est génial, maman. C'est toi qui devrais y participer parce que moi, je n'ai plus envie non, de continuer. Tu es déçue, mais tu as tort de réagir de cette façon. Et comment tu espérais me voir réagir? La seule chance d'être Miss All-Star Californie l'an prochain, c'est de tout recommencer à zéro et je ne me sens pas le courage de le faire. Je sais, tu es effondrée, c'est naturel. Tu as été spoliée. Je n'ai pas été spoliée. Je n'ai pas été à la hauteur. Non, ne dis pas ça. Tu entends? Ne dis jamais ça. C'est exactement ce que je t'expliquais. Si tu craques maintenant, tu seras toujours une perdante. Tu savais que Miss Madison doit être l'invitée d'honneur du Festival de la Fraise? Vous êtes là? Oh! Je désespérais de vous trouver, je vous ai cherché partout. Vous croyez pouvoir réussir à lui rendre le sourire? Elle est tellement jolie quand elle sourit. Pourriez-vous venir avec moi une seconde, Danielle? J'aimerais vous présenter quelqu'un de très important. Je voulais vous présenter Monsieur l'Ours. Oh, Riley, merci. Je crois, hélas, que je ne serais pas d'une excellente compagnie ce soir. Ah, je comprends. Tenez, emportez-le. Vous avez gagné le premier prix de la loterie Riley Baxter. C'est vrai? Oui. J'espère que vous réalisez que Danielle vous a offert votre couronne. Excusez-moi. Vous avez très bien entendu. Et d'ailleurs, puisque ce soir, nous sommes très généreuses, je vous donnerai un petit conseil. S'il ressemble à un des nombreux conseils que vous donnez à votre fille, il est inutile que je l'écoute. Vous allez très bientôt vous présenter à l'élection de Miss All-Star. Essayez de mettre un soupçon d'âme derrière votre sourire, ça vous sera nécessaire. Et alors?
Que s'est-il passé? Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, que je n'y étais pour rien. Vous devrez me rappeler de la remercier pour ça. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ici? C'est vrai, vous aviez le choix d'aller n'importe où. Je pourrais te tuer pour quitter ce bled. Mon père a eu une crise cardiaque l'an dernier. Et ma belle-mère a eu besoin de moi ici. Oh, je crois avoir dit belle-mère. Je voulais dire belle-mère. Pardon. À moi de m'installer ici et de m'occuper de la société. Je crois qu'elle y perdrait son latin. Vous avez des difficultés relationnelles? Ah non, on s'entend très bien tous les deux, à condition que l'on ne se voit pas. L'entente est parfaite. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Quel genre de fille croyez-vous que je suis? J'en sais rien, vous êtes difficile. Je n'ai jamais connu mon père. Il est parti avant ma naissance. Je suis désolée. Parfois, je me demande comment ma vie aurait évolué s'il avait été là. J'en sais rien, c'est difficile à dire. Bonsoir et merci pour m'avoir remonté le moral. Ah, vas-y, dis-moi, je dois te gronder, je veux tous les détails. Maman, je crois que tu devrais sortir davantage. Hein? Ah oui, tu crois? Bonne nuit. Bonne nuit. Tu ignores tant de choses. Monsieur Stone, votre client est prêt pour essayer la voiture. Je suis désolée, Monsieur Williams doit être avec un client. Puis-je prendre un message? C'est noté. Merci. Livraison spéciale pour mademoiselle Danielle Stevens. C'est moi? Je voudrais que vous me prouviez votre identité. Ce sont des roses exceptionnelles. Oh. Oh. Bonjour. Oh. Je voulais que vous sachiez que j'ai adoré passer cette soirée avec vous. C'est vrai? Moi aussi. Je voulais dire merci. Le plaisir est pour moi. André est demandé aux pièces détachées. André aux pièces. Bonne journée. Le contraire serait surprenant grâce à vous. Allô, le palais de la voiture. À quelle heure je peux passer vous prendre demain? Pouvez-vous patienter une minute? Vous participez au festival de la fraise? Oui. Bon, puisque c'est la Baxter Tulendai Limited qui fournit le bateau pour l'épreuve de ski nautique, je suis allé discuter avec le président de la société. Je lui ai expliqué que ça servirait le prestige de la compagnie s'il m'accordait une journée de repos pour aller au festival conduire le bateau. Je croyais que c'était vous le président. Exact. Entendu. 9h, ce sera parfait. Vaudrait mieux répondre. Oh, je suis désolée. À qui désirez-vous parler? Oh, chérie! Bonjour, maman! Attendez-moi! Bonjour, maman! Voilà. Vous y voilà. Merci. Bonne chance. À plus tard. Ouais, maman, arrête de jouer les cinéastes amateurs. C'est ridicule, arrête! S'il te plaît. Voici la merveilleuse Miss Madison, elle est ravissante. Et qu'est-ce qu'elle fait avec la belle-mère de Riley? C'est elle, Patricia? Oh, maman, Riley la déteste. Rien d'étonnant, on l'appelait Patty quand elle était au lycée. Maintenant, elle fait comme si elle ne connaissait pas. Encore quelques photos. Voilà. Regardez-nous, jaune et noir, pareil. Hein, chérie? Tiens, maman. Tu veux que je t'aide? Oui, tu veux me tenir la corde? Je ne veux voir que les skieuses dans cette zone. Ah oui. Riley, oui. Nous devons y aller. Les gens de Channel 14 doivent repartir à leur station. Je veux que le caméraman filme. À plus tard, chérie. Merci, maman. Pardon. Quel cran, tu n'as pas peur de perdre ta couronne? Excusez-moi, je crois que Miss Madison devrait être au centre. Après tout, c'est moi l'invité d'honneur. Fiche-moi la pelle, anglais. File-moi la corde. Donnez-lui cette corde. Voyons qu'elle se mette au milieu pour que nous puissions commencer. Je fais des souris. Merci. C'est bon, je vais repasser devant pour que vous fassiez les photos. Prête? Oui, d'accord. C'est parti. Approchez-vous. Thank you.
accident, elle doit souffrir le martyr, quelle horreur. Quand je pense que ça aurait pu être moi, c'est pas croyable. Comment ça? Oui, en fait, cette corde devait être la mienne. C'est Shona qui me l'a prise, elle insistait pour être au milieu. Et qui avait accès à ces cordes, je vous prie? À peu près tout le monde. On les avait posées sur le quai avant l'épreuve. Je sais que la compétition est plutôt sévère entre vous dans un monde de concours. Vous pensez qu'il s'agit d'un acte prémédité? J'aimerais vous parler. Oh oui, bien sûr, je suis à votre disposition. Ça aurait pu être le nôtre. Oui, oui, je vais le dire à Daniel. C'était Carla. Comment va Shona? Eh ben, elle va être hors circuit un certain temps. Elle a le dos en miettes, le nez en piteux état, mais rien de très sérieux. Ça va être long? Assez long pour qu'elle rate les 6 prochaines apparitions de Miss Madison. Tu es Miss Madison, chérie! Quoi? Oh, si la reine ne peut assurer ses devoirs de Miss Madison, la couronne ira à la première dauphine. Oh, c'est une hier! Oh, mon bébé! On peut rêver du titre de Miss All-Star Californie. Mais j'ai pas gagné ce titre. Quelle importance! On se moque de savoir comment tu es là. Gagner, c'est ça qui compte, oh mon bébé. Ta route est tracée. Ta route est tracée. Dommage pour Shona. C'est terrible ce qui lui arrive. Elle va bien, c'est le principal. Daniel, agitez la main là, c'est parfait. Continuez, c'est ça, c'est vrai. Je vous demande pardon pour tout ça, Andy. Je n'imaginais pas que ce serait un tel délire. Oh, mais j'en suis enchanté. Prenez tout le temps que vous voudrez. En fait, je crois que Miss Madison aurait encore plus d'allure dans une belle voiture neuve. Elle est à vous pour un an. Oh, maman! Oh, elle est extraordinaire! Oh, j'en suis folle! Ce soir, j'aimerais que toi et Riley fêtiez l'événement avec moi. Et c'est moi qui invite. Maman, Riley a déjà fait une réservation pour nous chez Dépensensis. C'est vrai? Oh, moi qui rêvais d'une soirée exceptionnelle. C'est un tête-à-tête. C'est pour nous deux qu'il a réservé. Ah. Mais je peux réserver pour toi. Ah non, 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 je ne jouerai pas les chaperons. Allez-y seul, amusez-vous bien. Hein? Oh, oh. Ah, ah. Désolée de venir vous déranger, mais nous voulons vous parler. Ça ne sera pas oui, long. Oui, bien sûr, je me préparais à sortir, mais allez-y. Je vais aller droit au but. Shona Langley dit que c'est vous qui avez coupé la corde de ski nautique. Elle dit que vous lui en vouliez. Oh, ça n'a pas de sens si l'on considère que c'était la corde que je devais prendre. Si ça avait été une autre fille, Shona n'aurait rien dit du tout. Vous vous entendez comme chien et chat? Oui, depuis peu, je sors avec son ex-petite amie et j'ai hérité de sa couronne. Pour être franche, je n'étais même pas sûre d'accepter le titre de Miss Madison, puisque je ne l'avais pas gagné. Comprenez-moi, je n'étais pas la meilleure, alors qu'est-ce que ça prouve? Bon, nous restons en contact. Bien sûr. Au revoir. Bonjour, chérie. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Shona croit que j'ai coupé la corde. Oh, mon Dieu. Je me demande ce qu'elle peut avoir contre toi. Amuse-toi ce soir, chérie. J'ai le sentiment que ta mère avait envie de venir ici avec nous. Disons qu'elle est très protectrice. Ah, mais ça fait rien, tu sais. J'adore ce style un peu vieux jeu. Mon père m'a donné cette maison peu de temps avant sa mort. C'était là que lui et maman préféraient se retirer. Ça te permet de vivre loin de ta belle-mère? Oui, si on veut. Jamais assez loin. J'aimerais qu'elle soit un peu moins odieuse avec les femmes que je choisis. Mais quand je me marierai, elle devra tirer un trait sur le contrôle de ses biens. Mon père a tenu à nous protéger, moi et mes enfants. J'aimerais qu'on puisse être ensemble chaque minute, chaque jour. C'est vrai? Comme ça, je pourrais faire ça. Et ça. Et ça. Oh. 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 Tu es trop extraordinaire pour être vrai. Si extraordinaire que ça. Je ne parlais pas de ça. Je parlais de toi. Mmh.
Excusez-moi, vous êtes Danielle Stevens, c'est ça? Oh oui, c'est bien moi. Toutes mes félicitations pour votre titre. Oh, c'est gentil. Je travaille pour le Time. On peut faire une photo de la nouvelle Miss Madison? Mais avec plaisir. Fantastique. Et je présume que ces fleurs sont destinées à Shauna Langley. Oui, c'est exact. Je suis très triste pour elle et je viens la réconforter, lui remonter le moral. Je peux en faire une devant la maison? Shauna est là? Oui, je vous en prie. Merci. Shauna, je te dérange pas? Quelle jolie fleur! C'est Riley qui te les offre. Je les pose près de toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de petite salope! Shauna, je suis venue ici parce que j'étais inquiète pour toi. Je me faisais du souci. Ton numéro, ça va? Toi et moi, on sait qui a coupé cette corde. Tu viens ici pour parader? Je pense que les photographes t'attendaient devant la porte. Tu devrais faire attention à ce que tu dis sur moi. Pas mal de gens croient que c'est toi qui as manigancé tout ça. Dehors! Rien de tel qu'une reine de beauté en danger, c'est ça? Dehors! Ne t'aime pas! C'est inutile. Je pense trouver la sortie. Ça sent monstrueusement bon. Oh, c'est gentil, Guy. Ça se sert directement dans la cocotte. Mais nous adorons ça, n'est-ce pas, Guy? Dis une cocotte, dis pas de bagarre. C'est une vieille recette de famille. Elle se transmet depuis 3 générations. Elle vient tout droit du Mayflower, alors. Oh, comment j'en prends ça, Guy? Il est toujours aussi affreux. Seulement quand nous sommes avec des reines de beauté. Non, c'est faux. Je suis affreux de nature. Guy a raison. Nous voudrions remercier Miss Madison de nous avoir tous accueillis dans sa maison. Merci, alors, Miss Madison. Alors, qu'en dites-vous? Vous n'avez jamais mangé de thon aussi bon, hein? C'est un délice. Alors, remercions aussi sa ravissante mère, Cathy. Merci. Délice. Ça a été un plaisir. C'était de la boue, Madison. Et venez dîner la semaine prochaine. Oh, chérie, ça n'aurait pas pu mieux se passer. C'était formidable. Hein? Si vous aviez la gentillesse de signer ici, merci. Nous sommes très fiers. C'est très gentil, merci. Regarde ça, il en arrive de partout. C'est comme si on avait gagné à la loterie d'un catalogue de vente par correspondance. Oh, celui-là est pour moi. Alors ouvre-le. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a un mot? Il y a une carte? Oui, ça vient de chez Rowlands. Je crois qu'il est vrai. Qu'est-ce que ça dit? Non, laisse-moi faire. Si un jour l'on devient reine, il faut être fille de reine. Félicitations pour la réussite de votre fille. Oh, maman, il est magnifique. Je n'ai jamais eu quelque chose aussi beau de ma vie. Donne-le-moi. Laisse-moi te remettre. Attends. Fais voir. Alors, de quoi j'ai l'air? Tu as l'air d'une reine. Je savais qu'on aurait dû aller déjeuner ailleurs. Ce n'est qu'une grande maison. D'accord. Je décrirais plutôt ça comme un petit pays, mais... Suis-moi. Je vais aller prévenir Patricia. Tout se passera bien. Je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Mon père aimait beaucoup lire. Tu l'aurais adoré. Ah oui? S'il te ressemblait, alors oui, je l'aurais adoré. Cette chère Patricia va arriver dans quelques minutes. Ce qui connaissant ma belle-mère peut vouloir dire tout un tas de minutes. Tu as trouvé ce que tu voulais, Riley? Bah,
En fait, nous avons vécu dans pas mal d'endroits avant de nous fixer ici, mais ma mère est née dans cette ville. Riley m'a dit que c'est votre mère qui prépare les déjeuners de notre club. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. J'ai entendu dire qu'elle travaillait dur. Nous avons besoin de personnes comme ça. Riley, sois un ange, va à la cave chercher du champagne. Je vous sers. J'y vais. Merci. Vous avez une maison fantastique. Merci, Daniel. Vous auriez dû la voir avant que je m'occupe de la décoration. J'espère que vous n'imaginez pas une seconde qu'elle puisse être à vous. Je connais trop bien les filles dans votre genre. Merci. Je vous ferai la même proposition qu'à cet arriviste de Shona. Je vous offre 15 000 dollars et vous laissez tomber Riley. Il mérite bien mieux. Vous préparez une petite excuse et vous disparaissez de sa vie. Sinon, c'est votre vie qui sera un enfer. Qui sait, votre mère pourrait avoir à chercher un autre job. Je crois que votre nom, c'était Patty. Avant d'être Patricia, c'est exact. La seule différence entre nous, c'est que je ne cherche pas à jouer de mes charmes par simple intérêt. Alors gardez vos billets verts et cherchez un autre souffre-douleur, mais surtout ne me menacez pas. À prendre ou à laisser. Voilà le champagne. Alors, mesdames, vous parliez de moi? Est-ce que ça va? Je ne t'ai jamais vue aussi silencieuse. Oh, ça va, ça va bien. Eh, c'était pas si terrible, hein? Si. Hein? Non. Soyez jamais venu ici depuis le temps que vous concourez. Oh. Trois étages de paradis s'offrent à vos yeux. Le paradis des Miss. Brian Donahue, boutique des Miss. Oui, bien sûr, le coiffeur vous prend à 3 heures. Maman. Maman. Les jeunes filles viennent ici de tous les pays. Et vous les entraînez? Non, je déteste ce mot. Non, non, Brian est plutôt... Un conseiller, c'est comme ça que je me vois. Un conseiller, Carla est l'entraîneur. Je fais, disons, une approche globale. Coiffure, maquillage, garde-robe, talent. Je ne laisse rien au hasard. Faire de vous la plus belle en accentuant vos atouts. Jennifer, c'est magnifique. Avant d'en arriver au concours, vous aurez développé cette confiance qui vous conduira droit à la couronne. La taille est idéale. La charpente osseuse excellente. Mais nous devons faire quelque chose pour ces mèches. Elles sont horribles. Droit devant. Rappelez-vous, c'est là que se trouvent vos juges. Et n'oubliez pas qu'ils ont un ego de la taille du Nebraska. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir quand les subjuguer d'un simple regard, quand vous effacer et quand les autoriser à poser les yeux sur vous. Chaque fois que vous marchez sur scène, vous les kidnappez avec vos yeux, vous leur parlez avec votre corps. L'inquiétude se lie encore en vous, mais vous serez parfaite. Ils vont vous croire arriver tout droit de Broadway. Bon, arrangeons vos cheveux d'abord. Est-ce qu'elle fait de l'exercice? Ce n'est pas nécessaire. Non, non, pas vraiment. Bon, alors nous allons en faire. Il faudrait perdre entre 3 et 4 kilos, raffermir un peu tout ça. Carla, venez s'il vous plaît. Il est fabuleux. Courage, chérie. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, pardonne-moi. Suis-moi, je t'en prie, je me sens perdue. J'arrive, chérie, j'arrive. Refaites régler la crémaillère qui se bloque en 2 points. Rappelez-moi au plus vite pour me tenir au courant. Au revoir. C'est ce qu'on appelle une surprise. J'arrive, mauvais moment. Ah non, 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 pas du tout. Ça va? Oui. Dame. Merci. De rien. On dirait que tu te remets plutôt bien. Oui, je vais bien mieux. Merci pour tes fleurs.
J'aurais dû te téléphoner. Oh, mais tu n'avais pas à venir ici pour me remercier. Je sens que je tombe très mal. J'aurais dû téléphoner. Shona. Ah, pardon, c'est ma faute. C'est ma faute. Désolée. J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais tu dois comprendre que... que je ne veux surtout rien de toi. D'accord? Dis-moi. Riley, je suis enceinte. Calme-toi. Calme-toi. Mieux de remettre ça. J'ai quelque chose à te dire. Daniel, tout est fini entre nous. Quoi? C'est Shona. Elle est enceinte. J'ai appris ce matin que j'allais être père. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé toute la journée pour savoir ce que je devais faire. Tu voyais toujours Shona? Non, non, elle est allée à l'hôpital après l'accident et elle l'a appris au cours des examens. Elle a failli perdre le bébé. Mais... il existe une alternative. Non, ce n'est pas envisageable. Riley, tu me l'as dit. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Rien ne peut nous séparer. Tu as dit que jamais tu n'avais été aussi heureux de ta vie. Et j'étais sincère. J'étais sincère, mais il a fallu que je prenne une décision. Je vois. Je suis vraiment désolée. Écoute, Shona te force à agir ainsi. Riley, il y a une facette de Shona que tu ne connais pas. Mon père a su m'apprendre à faire face à mes responsabilités. Et cet enfant aura un père. Je sais combien le mien me manque. Shona et moi, allons nous marier. J'abandonne. Alors, Shona a encore gagné. Regarde cette robe! Ah, chérie! Bonjour. Bonjour, ça m'étonnerait. Tu sais que j'aurais l'air ridicule avec toi au volant de ma voiture à la parade. Oh, c'est Riley qui va la conduire, j'en ai parlé avec lui ce matin. Quoi? Tu as appelé Riley? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Tu veux te calmer? Quoi? Me calmer? Mais qu'est-ce que tu manigances encore? Riley épouse Shona, elle attend son bébé. Pourquoi tu veux me tourner en ridicule? Ah, oh, bonjour, Katie. Cravate, très jolie. Hey, si tu veux cet homme, tu dois te battre. J'arrive pas à croire que tu laisses Shona gagner encore. Tu crois qu'il me reste une chance? Oui. Oui, il a accepté de conduire, non? Tu ne seras sûre de rien si tu n'essaies pas. Tu n'étais pas obligée de faire ça. Je tiens à mes promesses. Oh oui, ça je sais. Salut le public, salut le public, voilà c'est fini. Ta mère est vraiment fantastique. En tout cas, elle t'adore. Enfin, malgré toute cette histoire avec Shona. Ah oui? Oui. Et moi aussi. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Bon. Il faut que j'y aille. Oh, oui, oui. Riley, je voulais seulement dire que je crois avoir compris pourquoi tu te conduisais de cette façon. J'ai compris. Seulement, je me demande si Shona n'agit pas uniquement pour l'argent. Elle n'a rien exigé de moi. Alors pourquoi t'a-t-elle tout raconté? Parce que je suis le père de l'enfant. Mon père et ma mère étaient tout pour moi. Et je crois que ce bébé a droit à la même chance. Mais Shona est incapable de t'aimer autant que je t'aime, Riley. Il n'est pas question d'amour. Il faut que je fasse ce qui est juste. Tu es une femme exceptionnelle.
Tu mérites beaucoup mieux que moi. Quelqu'un qui n'aurait pas mon passé. Miss Madison, Miss Madison, on peut avoir un autographe. Un de ces jours. S'il te plaît. Merci. Merci, Miss Madison. Alors. Écoute, maman, c'est terminé. Riley est parti. Ce n'est rien, ma chère. Ce n'est rien. Il est parti. Au moins, tu auras essayé, chérie. En tout cas, maintenant, tu n'as plus qu'à te focaliser sur Miss Star Californie. C'est bien tout. Oh non. Maman, arrête. J'en ai vraiment assez de ces concours. J'en ai assez de toi. C'est Shona, c'est sa faute. Elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas gâché la vie de ma fille. Je crois qu'il est préférable que ce soit moi qui te l'annonce plutôt qu'un autre. Shona est enceinte. Nous allons nous marier au plus vite. Riley, tu es trop intelligent pour croire à ce piège. Ce n'est pas un piège. Oh, et comment en es-tu sûre? Je veux les examens, je veux être certaine. Ça n'a rien à voir avec toi. Oh, que si alors. Je refuse que cette espèce de traînée compromette ton avenir et te dépouille de tous les biens que ton père t'a légués en travaillant toute sa vie. Tu voulais dire te dépouiller, non? Tu pourras rester dans la maison d'invité le temps de régler tes affaires. Bien, bien, oui, continuez. De beaux sourires, le dos bien droit, faites attention, concentrez-vous. Oui, continuez. Daniel, tu dois faire mieux. Tu es dans la cour des grands maintenant, alors tu dois marcher comme une gagnante. Tu veux vaincre? J'ai dit, est-ce que tu veux vaincre? Brian, pardon, je suis vraiment très fatiguée. Je vais me montrer encore plus Brian, clair, Daniel. Brian, elle fait du mieux qu'elle peut. Je crois que vous tirez un peu trop sur la corde. C'est vrai, regardez la pauvre enfant, elle est exténuée. S'il vous plaît, toutes les filles qui sont ici prétendent vouloir gagner. Mais il faut que tu travailles plus que quiconque ici si tu veux être la prochaine à porter cette couronne. Est-ce que c'est bien ce que tu veux? Plus que toute autre chose. Excellent. Alors, reprenons le travail, allons-y. Souris, chérie, ça va aller. Je veux voir vos dents quand vous souriez. Bien. Vous en voulez un? Non, c'est gentil. Cathy, je crois qu'il serait préférable que vous ne soyez pas là quand je travaille avec Daniel. Je dois l'entraîner seule à seule si nous voulons qu'elle gagne. Autant qu'elle n'ait aucune distraction. Tout spécialement à si peu de temps du concours. Ah oui. Entendu, oui. Mais si vous croyez que c'est le mieux... Ah, j'étais sûr que vous seriez d'accord. Je lui ferai appeler un taxi. Elle est entièrement reposée de perles. Si tu voyais le voile... Oh, c'est fantastique. Fantastique. Oui, bien sûr. Écoute, on se rappelle. Je dois raccrocher Riley sur le point d'arrivée. D'accord? Bye bye. Je vais aller la voir. Je réglerai ça. Ah, 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 ah.
Ah oui? La voiture de Shona a été vandalisée cette nuit. Attends une seconde, s'il te plaît. Si tu es ici pour me parler de Shona, je te suggère d'aller en discuter avec ta belle-mère. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle aura à y voir, hein? Shona ne t'a pas parlé des 15 000 dollars que Patricia lui a offert pour qu'elle te quitte? Quoi? Tu sais, Patricia a essayé de m'acheter, moi aussi. Shona a dit oui, pas moi. Non, Shona n'aurait pas accepté d'argent. Tu ne devrais pas être si naïf. À bientôt. Je me sens tellement plus en sécurité ici. Est-ce que tu allais lui parler? Shona, je dois te poser une question et tu dois me répondre sincèrement. J'ai toujours été sincère avec toi. Qu'y a-t-il? As-tu accepté une certaine somme d'argent de Patricia? Oui, mais je n'avais pas trop le choix. Si, tu avais le choix. Je n'étais pas aussi solide que je le suis devenue, Riley. Elle m'a dit que je risquais de perdre mon job et que je serais éjectée des concours de beauté. C'était sa menace. Si je refusais cette somme d'argent et si je ne te quittais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'était la seule chose dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais tu aurais dû venir m'en parler. Il y avait peu de chances pour que tu me croies. Je suis désolée. C'est du passé, tout ça. Nous avons un bébé à aimer aujourd'hui. Il arrive. Ah, oui. Très bien, c'est vrai que le dernier. Riley, tu pourrais dire bonjour. Tu dois me considérer comme le dernier des imbéciles pour croire que je ne te démasquerai pas. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. L'argent que tu as donné à Shona, rester en dehors de notre vie ou je ferai de la vôtre un enfer, je le promets. Oui, bien sûr, je l'ai payé. Mais je l'ai fait pour te rendre service. Cette traînée m'en a demandé davantage. Tu n'arrêteras jamais. Tu ne trouves pas ça fascinant qu'elle ait découvert sa grossesse après que j'ai refusé de lui donner plus d'argent? Pourquoi crois-tu que nous avons eu cette discussion là? Je te préviens tout de suite. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Daniel, attention! Il faut être très prudente ici. Je crois, oui. J'espère que je ne te dérange pas. Non, 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 au contraire. Allons dans mon bureau, tu veux? Ici, là. Tu es bien sûr que ma présence ne t'ennuie pas? Non, je te l'ai dit. Tiens, assieds-toi. Alors? Comment vas-tu? Tu me manques. Tu me manques aussi. Tu veux savoir ce qui me manque le plus? Ça. Et ça. Daniel, arrête, je peux pas. Oh, si. J'en ai envie. Daniel, s'il te plaît, je non. Je sais que tu en as envie aussi. Arrête, je t'en prie. Tu n'as aucune idée de ce que tu rates. Je crois que tu devrais partir. Oui. Quand est-ce qu'elle a gagné? Il y a quelques jours. Elle n'a pas le droit de concourir dans un autre comté après avoir gagné Miss Madison. Ça, j'en sais rien. En tout cas, elle a gagné. Ça veut dire qu'elle s'est qualifiée pour Miss All-Star Californie? Elle essaie de tout me voler, une chose après l'autre. Ah, alors, je viens de parler à Carla. Shona est dans son droit. Alors dis-moi ce que je vais faire maintenant, hein? C'est simple. Dis au juge qu'elle attend un enfant, elle sera renvoyée du concours. Tu ne crois pas que je puisse gagner? Chérie, non. Bon, bien sûr que si tu vas gagner. Attends, attends, j'ai une surprise. Je voulais te l'offrir un peu plus tard, mais je crois que c'est le moment. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Hein? Ça c'est pour Miss All-Star Californie. Tu vas gagner avec cette robe, chérie. Oh. Tu la trouves tarte? Maman, tu sais que les paillettes me grossissent beaucoup. Rappelle-toi, Brian te l'a dit, si je porte ce genre de robe, je n'ai plus qu'à aller me présenter comme Miss bien en chair. Mais excuse-moi, je voulais te faire plaisir. Tu aimais ça avant que je choisisse tes robes. Maman, tu sais que c'est pas non, ça, la non, seule chose... Non, tu me repousses, tu ne veux plus que je m'occupe de toi. Maman, maintenant je travaille avec des professionnels et chaque petit détail compte. Ce n'est pas surprenant que j'ai toujours perdu les concours.
Et c'est moi la coupable, c'est ça? Alors ça... Vous voulez que je vous accompagne à votre voiture? C'est gentil, il me reste plusieurs choses à finir. Très bien, alors à demain. C'est ça. Bonne nuit. Et Hélène? Si tu quittes l'immeuble, tu es morte. Tu m'as fait une peur bleue. Où étais-tu ce soir? Au club, je jouais aux cartes. Pourquoi tu me le demandes? Jusqu'à quelle heure? Où veux-tu en venir? On a voulu écraser Shona ce soir, et étonnamment avec la même Jaguar que la tienne. Oh, elle te fait croire que j'ai voulu l'écraser. J'ai hâte de connaître la suite. Je n'ai pas de temps pour ces histoires. Tu ne t'occupes plus de nous ou j'appelle la police. C'est assez clair, que tu sois la femme de mon père ou non. Avoir de vrais rêves et ne pas avoir peur des obstacles. Elle est très naturelle. Oh, elle est fantastique. Oui, elle est merveilleuse. Vous semblez ne rencontrer aucun obstacle sur le chemin de la gloire. J'ai gagné tous les concours de beauté auxquels j'ai participé depuis l'âge de 5 ans. Shona, vous êtes très belle ce soir. J'admets qu'avec mon expérience, Monsieur Baxter. Madame Stevens, alors. Ravie de vous voir. Bonsoir. Oui, je sais. Regardez-la, elle sait se tenir devant la foule, elle a cette grâce. Mm-hmm. Je crois que certaines sont nées avec ce don du créateur. Oui, c'est exact. Enfin, c'est une vraie pro. Il y a très peu de temps, je l'ai vue encore en train de vomir aux toilettes. Oh, je crois qu'elle a beaucoup de nausées le matin, surtout. Vous pensez qu'elle va avoir un enfant? Je ne sais rien. Devrions parler avec elle. Daniel, par ici, s'il vous plaît. Allez, par là. Merci. Excellent. Formidable. Par une. Merci. Tournez-vous. Merci. Sur la droite, hein. Oui, c'est ça. Bonsoir. Salut. Riley, je tenais à m'excuser pour ma façon d'agir de l'autre soir. Je crois que j'avais tellement envie d'être avec toi que je suis allée trop loin. C'est rien. Malgré le peu d'estime que j'ai pour Shona, je tenais à te dire que je suis vraiment heureuse pour toi, c'est vrai. Ceci dit, j'ai du mal à croire que je t'ai dit ça. Merci. Ça me touche beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous, la première dauphine de Miss All-Star Californie 1997 est Danielle
Shona Langley. Qu'est-ce que je t'avais dit? On se parlait un instant, tous les deux. Oui, bien sûr. Il y a une rumeur qui court à votre sujet. On dit que vous êtes enceinte. Si c'est la vérité, je crois que vous connaissez les conséquences. C'est un truc vieux comme le monde qui vous a raconté cette idiotie. Vous changez de sujet? Êtes-vous enceinte? C'est sûrement Danielle Stevens. Elle m'a dit que... Vous ne répondez pas à la question. Non. Bien sûr que non. Je peux le prouver si vous y tenez. Mais si vous l'exigez, il serait logique que les autres soient examinés aussi. Cela dit, je crois que ça pourrait devenir plutôt embarrassant pour vous si tout le monde se rendait compte que tout a commencé par une simple rumeur. C'est tout simplement fou. À 9h30 à mon bureau. Mets ta couronne. Je t'aime, Hailey. J'adore les petits jeux. Thank you.
est tombé. Oui. En sous-vêtements. Où est Baxter? Dans son bureau, à l'étage. À quelle heure dites-vous l'avoir trouvé? Un peu après 10 heures. Vous l'attendiez? Non. Est-ce qu'elle savait que vous seriez ici? Non. Par curiosité, dites-moi, pourquoi est-ce qu'elle serait venue ici, dans cette tenue, si elle n'était pas sûre de vous trouver au bureau? J'en sais rien. Je devais dîner avec mes avocats et je suis revenu ici pour terminer la paperasse. Vous n'imaginez pas que je l'ai tué? Si. Je crois que j'aurais besoin du nom de vos avocats. Elle a eu des différends avec cette Stevens, Daniel Stevens. Est-ce que vous croyez qu'elle l'aurait tué? Daniel? Non, pas du tout. Avait-elle des problèmes personnels? Avait-elle des ennemis? Non, elle était vraiment heureuse. Le bureau était fermé à clé, votre retour? Non, il aurait dû être fermé, mais... Avait-elle un jeu de clés? Non. Oh non. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Ma belle-mère. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Je suis au regret de devoir vous annoncer une nouvelle pénible qui vous bouleversera toutes. Je viens d'être informée par la police que Shauna Langlais a été trouvée morte cette nuit. Elle a été arrêtée. Je sais qu'il sera difficile de retrouver le sourire et la bonne humeur durant ce concours de beauté. Maman! Oh, maman, c'est affreux! Shauna a été tuée! Oh, aide-moi! Oh, maman, j'ai peur. Chérie, tu ne dois pas te laisser aller. Tu dois te concentrer sur le concours. J'ai du mal à croire que tu dises ce genre de choses. C'est dingue. Quel endroit? Excusez-moi, je suis le suppléant Wallace. Elle est à Madame Baxter, cette voiture? Oui, monsieur. Belle voiture. Vous travailliez hier soir? Oui. Est-ce que Madame Baxter était là quand vous êtes parti? Oui, oui, monsieur. Et quand vos clients sont là au moment où vous finissez, qu'est-ce que vous faites des clés? Je les laisse à Madame Stevens. Cathy Stevens travaille ici? Oui, oui, mais pas aujourd'hui. Sa fille Danielle participe au concours Miss All Star Californie. Merci. Au club. Madame Baxter? Oui. Ne voudriez-vous poser des questions à propos du meurtre d'hier soir? Est-ce que ça peut attendre? Au cas où vous seriez aveugle, je joue au golf. Nous n'avons qu'à aller au commissariat dans ce cas. Vous ne semblez pas trop malheureuse. Pourquoi serais-je malheureuse? Ce n'était qu'une petite putain. Que voulez-vous savoir d'autre? Où étiez-vous hier soir? Là où je me trouve tous les jeudis. De 19h à 20h30, j'ai dîné au club avec des amis. J'ai pris un filet bleu avec des légumes. Les carottes étaient un peu trop cuites. Ensuite, j'ai fait un bridge jusqu'à 21h. J'ai même gagné 32$. Et j'ai fini en faisant un petit sauna jusqu'à 22h30. Il y a au moins 15 personnes qui pourront témoigner de ma présence. Y a-t-il encore autre chose? Ou puis-je terminer ma partie de golf? Allez donc faire ça. Elle est charmante. C'est un moment très dur. Nous sommes toutes bouleversées par cette tragédie. Nous avions tout appris avec Shauna. Elle nous manquera beaucoup. Mais espérons que nous pourrons surmonter cette épreuve et reprendre le cours de nos vies. Shauna l'a toujours dit. Le spectacle doit continuer. Quelqu'un? Il est allé vivre rue de la Chambre. Non, je ne veux pas d'excuses, je veux des informations. Tu vas adorer ça. Je vous rappelle. Ce collier n'appartient pas à Shauna, mais il était à côté du corps. Et je parie que tu sais à qui il appartient. Oui, à une certaine Cathy Stevens. C'est un modèle créé par la joaillerie Roland. Chaque année, ils en offrent un à la mère de Miss Madison. Un petit souvenir, quoi. Cathy Stevens a dû emprunter la voiture de Madame Baxter hier soir à son club. C'est une hypothèse. Le voiturier dit qu'il a laissé les clés de la Jaguar à Madame Stevens lorsqu'il est parti à 9h. Et je pense que les clés de la Baxter Tool Company se trouvaient sur le même porte-clés. Et s'il savait comment Madame Baxter occupait tous ces jeudis soirs? De 9h à 10h30, c'est bien suffisant pour commettre un meurtre. Bye.
Ce qui suit est très important. Si pour quelque raison que ce soit, notre nouvelle Miss All-Star Californie 1997 ne pouvait remplir ses devoirs, c'est à la première dauphine que reviendrait le titre. Mesdames et messieurs, notre première dauphine est... Brandy Peterson. Et maintenant, laissez-moi vous présenter notre nouvelle Miss All-Star Californie 1997, for eternity. Lights are shining in your eyes. Crowd is cheering its reply. This night is yours now. So take a bow. Madame Stevens, s'il vous plaît. Hein? Avez-vous tué Shona Langley? Non. Qu'est-ce qui vous je suis innocente. Vous pouvez dire quelque chose? S'il vous plaît, donnez-moi des informations. Vous avez bien failli piéger Patricia Baxter. Vous connaissiez ses habitudes, c'était facile. La seule chose sur laquelle vous n'aviez pas compté, c'était de perdre votre collier. Je ne suis pour rien dans l'assassinat de Shona. Où étiez-vous? À mon travail, et je travaille seule. Vous n'avez qu'à demander. Vous avez été vu quittant le club vers 9h la nuit du meurtre. Où alliez-vous? Je retournais à l'hôtel, j'allais voir ma fille. Pourquoi? Je voulais lui souhaiter bonne chance pour le lendemain. Non, personne ne vous a vu à l'hôtel. Je regrette personne. Je veux un avocat. Parfait. Comment ça avance? Ça stagne. Elle veut un avocat. On a du nouveau? Oui, un petit objet très intéressant. Bravo. Et la reine des surprises emballée sous plastique. C'est pour ça qu'on me paie. Je l'ai trouvé caché dans le coffre de sa voiture. Je pense qu'il vient du club. Faisons une comparaison du métal avec les résidus trouvés sur la corde, sans oublier les sièges de la voiture. Oui. Mademoiselle Stevens, est-il vrai que votre mère ait été arrêtée pour le meurtre de Shona Langley? Aucun commentaire. L'arrestation de votre mère a gâché votre élection. Que ressentez-vous? Croyez-vous que votre mère soit coupable? Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que Shona avait été assassinée et que votre mère était le suspect numéro un? Vous n'avez pas l'intention de répondre à la presse? Daniel, s'il vous plaît, faites à votre avis, votre mère est-elle capable d'une telle monstruosité? Tu vas bien? Oh, ma chérie. Je suis tellement triste de gâcher un jour pareil. Tu dois avoir peur. J'ai peur. Je suis complètement terrorisée. C'est affreux. Ils disent que toutes les preuves sont contre moi. Chérie, tu dois me faire confiance. Je n'ai pas tué Shona. Ça, je le sais. Merci. Le savoir. Tu m'y as poussé. Pourquoi? C'était la seule façon de te faire sortir de ma vie. Enfin, qu'est-ce que je t'ai fait? Si ce n'est qu'au vouloir le meilleur pour toi. J'étais l'objet de ton ambition. Voilà tout. Oh non.
Non, je voulais que tu apprennes à être fière de toi, à te surpasser, à te battre. C'était à mes yeux un tremplin, une façon d'avoir tout ce dont tu rêvais. Voilà ce que je voulais pour toi. Je voulais ton bien. Que ta vie soit plus heureuse que la mienne. Non, tu as tort. Ta seule obsession était de me transformer en celle que tu voyais en moi. La femme que tu n'as jamais pu être. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais été une meurtrière. J'aurais bien aimé rester et discuter, maman. Mais la presse est dehors. Elle m'attend. Tu crois que tu t'en tireras si facilement? C'est déjà fait. Tu es ma fille. Tu es ma vie. Je t'ai donné tellement. Oui, et tu m'as appris une chose que je retiendrai. Peu importe la façon dont on gagne. La victoire, c'est tout ce qui compte. Ne t'inquiète pas, maman, je viendrai te voir. Tu vas devenir une célébrité. C'est ce que tu as toujours voulu, non ? J'aimerais vous dire quelques mots. Je vous promets à tous de trouver en moi la force de surmonter ce drame. Le meilleur, dit-on, renaît parfois des cendres. Nous avons tous une leçon à tirer de ce qui s'est passé. Et je suis persuadée que la vie de chacun sera affectée par cette tragédie d'une façon ou d'une autre. Mais en aucun cas, je la laisserai influer sur mes responsabilités. Je porterai haut mon titre de Miss All-Star Californie. En y réfléchissant, l'entrevue entre Daniel et sa mère était plutôt bizarre. Disons que ça n'était pas le genre de réaction que j'attendais d'une fille dont la mère était accusée de meurtre. Il n'y avait aucune compassion. Et avec sa couronne sur la tête, elle était ridicule. Ça rimait à quoi, au juste? Elle venait directement du concours. Elle avait le temps de l'enlever. Mais c'est vrai, pourquoi rater une photo? Que penser d'une mère qui ne recule devant rien pour propulser sa fille en haut du podium? Cette version me dérange. Ce fameux accident de ski a mis sa fille dans la course. Le meurtre lui assure le titre. Mais si Daniel avait cherché à piéger sa mère, ses mobiles étaient identiques si tu y réfléchis. Elle avait accès aux mêmes choses que sa mère. Les clés de la Jaguar et aussi de l'usine, le couteau qui venait du club et le collier. Elle aurait pu mettre ça au coin. Et je vais me coucher. Ma mère nous a fait du mal à tous les deux. Je ne savais pas vers qui me tourner. Je me sens si seule. J'ai tellement besoin de toi, Riley. Et toi, de moi. Oh. On ne changera jamais ce qui s'est passé. Mais on sera là l'un pour l'autre. On sera forts l'un pour l'autre. Oh, j'ai tellement besoin de toi. Je m'en veux pas pour ce qu'il a fait. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. On peut entrer, ça ne vous ennuie pas? Oh, bien sûr que non, entrez. Je suis désolée qu'il y ait une pagaille pareille. Vous partez? Non, je ne pourrais pas partir. Ah. Je fais un peu de nettoyage. J'aurais trop de mal à vivre au milieu des affaires de ma mère. Ça me fait trop de mal. Votre mère est mise en examen, c'est tout. Nous n'avons aucune preuve. Et vous n'en aurez pas parce que je sais qu'elle est innocente.
C'est vrai, c'est un secret pour personne. Elle détestait Shona, mais c'est uniquement parce qu'elle veillait de près sur ma carrière. Ça ne signifie pas qu'elle l'ait tuée, demandée à n'importe qui. Ma mère était la femme la plus douce du monde. Alors, selon vous, qui a fait ça? C'est curieux. Justement, j'y pensais et je n'ai pas la moindre idée. Ça vous embête que je jette un œil? Oh non. Ma mère participait à des concours aussi autrefois, mais elle n'a jamais eu ma chance. Elle n'avait pas une mère qui lui avait voué sa vie. Elle était très belle. Oui, elle aurait dû gagner, elle en avait l'étoffe. Mais hélas, sa mère détestait qu'elle fasse des concours de beauté. Elle pensait que c'était ridicule pour une femme de s'exhiber comme ça. Et la nuit, avant le concours, elle est entrée dans la chambre de ma mère et lui a coupé les cheveux. Complètement cinglée. Ce n'est pas très normal, non? C'est un univers inconnu pour moi. Je n'avais jamais réalisé tout ce que ces concours représentaient. La renommée, les voyages, l'argent, les bijoux. Est-ce qu'il conserve toutes les pièces à conviction à la fin du procès? Pas toujours. Oh, c'est une chance. Je m'inquiétais au sujet du collier de ma mère. Elle y tient énormément et je voulais m'assurer qu'il était en sécurité. Oui, aucun problème. Merci de votre accueil. Et ce sera tout? Oui, merci. Simple visite de routine. À moins que vous ayez quelque chose à nous dire. Non, rien. Je vous appellerai si c'est le cas. Bien sûr. Entendu. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, votre mère sera déférée dès demain. Elle sera officiellement mise en accusation et le procès suivra. Je vois. Merci encore. Oh, mais c'est bien normal. Tu avais dit quelque chose à propos de la découverte du collier? Non. Moi non plus. Alors comment le savait-elle? Nous devrions avertir le procureur. C'est trop tôt. Une nouvelle conversation avec sa mère s'impose. Riley, je suis prête à partir pour la parade. Accompagne-moi, tu veux? Ta mère est en prison pour meurtre et tu vas monter sur un char avec le sourire et saluer la foule comme si rien ne s'était passé. Mais enfin, j'ai mes responsabilités, Riley. J'ai besoin de toi à mes côtés aujourd'hui. C'est mon jour de gloire. Toute ma vie, j'ai travaillé pour ça. Arrête, ça suffit. Excuse-moi de ne pas sauter de joie, mais je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Je comprends, mais tu ne dois plus penser à Shona. Tu dois oublier tout ce qui s'est passé pour qu'on puisse vivre notre vie. Elle était enceinte et c'était mon bébé, non, Daniel. Non, c'est faux, elle cherchait à te manipuler. C'était une sale menteuse. Je suis tout pour toi, Riley, et ma mère nous a fait un cadeau. Pardon. Je suis désolée, je voulais pas dire ça. C'était toi à vous. Riley, de quoi tu parles? C'est ma mère, tu le sais. Sors de chez moi. Oh, je t'en prie, mon amour, ne dis pas ne de me touche pas. Sors d'ici Riley, tout de suite. Riley, oh non, ne me fais pas ça. Oh, Daniel. Tout va bien? Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi ça n'irait pas? Eh bien, la police nous a téléphoné. Ils vont bientôt arriver. Ils veulent vous parler. Des policiers? Mais non, 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 je ne peux pas leur parler. Je dois monter sur le char pour prendre ma place. Tout le monde est là pour moi. Je suis très inquiète, Daniel. Qu'est-ce qui ne va pas? Carla, je veux que vous partiez. Je suis prête. Je suis prête, allons-y. Non, Daniel, je doute que ce j'ai soit dit le que cas. J'étais prête à y aller. Question de minutes. Elle refuse de descendre. On va s'en charger. Non, s'il vous plaît, laissez-moi le. Maman ? Maman, te voilà, je suis si heureuse. Je voudrais que la parade démarre et ils ne veulent pas y aller. Dis-leur qu'il faut partir. Tu es magnifique, ma chérie. Je sais. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. Oui, tu as réussi. Prochaine étape, Miss All-Star USA. Tu as raison. Chérie, il faut que tu me suives. Non. Non, non, j'ai pas le temps maintenant. Toutes les personnes qui sont ici veulent t'aider. Mais je dois rester. Je ne veux décevoir personne. J'ai des responsabilités. Oui. C'est ici que je dois être. Je suis jolie. De quoi j'ai l'air? Tu as l'air d'une reine. Descends, viens avec moi. Non. Ce n'est rien. Je suis près de toi, tu n'as rien à craindre. Oui. Ça va. Take a bow. C'est ça.
your beauty is majesty. Take a bow. Continue, on y est presque. A star for eternity. Lights are shining in your eyes. Maman, donnez-moi ça. Cloud is cheering. On top of the world now. Take a bow. No longer a mystery. Take a bow. Impressionnel. Le jury va adorer ça. Écoutez, Carla, je pensais à quelque chose. Je ferai peut-être un excellent juge lors de votre prochain concours de beauté. Vous croyez qu'il peut y avoir une possibilité? Peut-être.